méchant avec le gosse, je déteste les enfants dans les jeux. Les enfants dans les jeux, c'est un problème. Comme dans les films ou quoi, hein. Ils sont là pour poser problème. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. À part Clem dans Walking Dead. Clem, godlike. IRL aussi. J'avoue qu'IRL, c'est pas facile non plus tout le temps. IRL, c'est différent. Quand on n'est pas en situation de crise. Mais quand tu dis faut pas faire de bruit, que le petit tu dis faut aller chercher maman. Bah non, c'est bon, genre ta mère aussi. Hugo. Et voilà. Je vous ai dit. J'en ai marre. Maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillé. Peut-être lui dire, hein. Eh ben. On lui dira pas quand on la verra, d'accord ? Oh, la mytho. Allez, viens, on doit d'abord. On sait ce que c'est de mentir à un gosse sur le fait que son père soit ou sa mère soit encore en vie. Va falloir lui avouer un jour ou l'autre. Et à ce moment-là, ça sera la crise, hein. Pourquoi ils veulent nous attraper ? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman ? Oui. Ah, d'accord, on fera ça. Hein. Ouais, j'aime pas de soucis, mon pote. Oh, c'est... On ira voir leur tombe, quoi. Oh, des pommes, Hugo, c'est pas le moment. Mais ne touche pas. Elles ont la pire gueule, ta pomme. Comment tu peux penser à manger ? Mange de l'herbe, mec. Comme les chiens. Je vois histoire de te faire digérer. Il doit y avoir du monde. Il est absolument pas chou. C'est un gosse qui va nous poser des problèmes. Attendez. Mais sûrement qu'on va s'attacher à lui, hein. Qu'est-ce qui leur arrive ? Elles ont eu peur. Ok, Captain Obvious. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un ? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque Bonjour. Au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mais cool le jeu, en vrai il a l'air insane, l'histoire va être cool. Il y a quelqu'un ? Nous avons besoin d'aide ! Personne ne veut nous ouvrir. Qu'est-ce qu'ils ont tous ? S'il vous plaît, quelqu'un pourrait nous aider ? Oh yes, on doit récupérer ça. Merci Gala pour ton essai de 10 mois, bienvenue. Merci beaucoup, beaucoup. Eh, si vous venez pour me demander si Gotha live, je vais pas vous cacher que... Il se cache. Hein. Attendez juste sur son stream, mais venez pas poser aux autres streamers la question. On a vu des trucs horribles. On a trop attendu. Ouais, Ristoche. Mais je pense qu'en anglais, le jeu doit être encore mieux. Je sais pas s'il y a la voix de Sean Payne, mais s'il y a la voix de Sean Payne, le jeu est ouf. Après, si je joue le père et qu'on voit le père que 30 secondes... Des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Yurigo. Oui, pardon. Ah, Sean Payne, je sais pas comment on dit. Je crois qu'ils ont la... C'était quoi à l'époque la maladie ? C'était quoi à l'époque la maladie ? Je sais qu'ils sont contre une maladie, là. C'est une fête. Oh putain, j'ai oublié. Ça ressemble pas à une fête. La peste, ouais, je crois que c'était la peste, oui. Ok, putain, vous êtes au taquet. Autant au taquet. Moi, j'étais parti sur un truc genre. Hey, je vous en supplie, aidez-moi! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé! C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église! Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir! Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort, et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez! Amicia! Viens vite! Encore? Mais tout le monde veut me tuer! Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Tais-toi, cours! Mais pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler! Bon, ça va, vous êtes les. Ah, oh, ça va! Oh non, c'est de la triche, gros. Ils sortent de nulle part. Mais ils sortent de nulle part. Il faut qu'on se cache, ils sortent de nulle part. À l'intérieur, vite.
C'est calme ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'à attendre qu'ils se pointent. Je pourrais pas les rater. Heureusement que c'est quand même. Je sais pas si on peut changer la difficulté, mais je suis un bon débile. Hein. Je me suis trompé de touche. Le jeu il a été fait à Bordeaux, genre c'est un jeu français. Allez. Chut. C'est bon, on y est. Ah, je savais pas que Plague c'était peste en français. Bien eu. Je savais pas du tout. Voilà. Ah, pas par là. Oh non, c'est reparti, gros. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite. Où ils sont, bordel? Ils sont expliqués dans un trou. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on peut pas passer par là chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Non mais c'est 100% ici en fait. Ah non. Mais what? Ah. On va la pousser. D'accord. Ok. Il coûte combien le jeu? Je sais plus. Monsieur Rigo, monsieur Bogoku. Yes, Ness. Bien, on peut grimper dessus maintenant. Je crois qu'il coûte 49€ ou un truc comme ça. Il est quand même assez cher. Après, pour le jeu que c'est, tu vois, genre. Enfin, c'est limite normal quoi, genre. Il y a des développeurs ou il y a des développeurs et tout derrière. Le jeu, je l'ai pris sur Steam. Je crois qu'il est dispo sur toutes les plateformes. Check vite fait. Ça, c'est par là. Y'a ça que je peux faire tomber, je pense. Ah oh, bah c'est logique. Oh, là, c'est du 2000 IQ, hein. Oh, c'est du 2000 IQ, hein. D'accord. Yoda Rico Angel, hein. Monte, je vais t'aider. On est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais. Yuzandir. T'as la fronde. Tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Merci, Spam, pour ton sub de 3 mois. Bienvenue. Merci beaucoup, Hugo. Yumamad. Ouais, Zandir, le jeu est top. Des étrangers. Oh non. Vite. Mais ta mère Oh la poucave. Passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser. Ok, c'est bon, j'ai compris, ta mère. Oh là là, j'ai anticipé. Oh, elle a fait. Oh, c'était trop lourd. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici. Amicia, viens, sur le côté. Oh, tu es là. J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Je vais la faire tomber. Fais attention. Oh non, ça a pas voulu. Ah, c'est. Et là? Ok. Allez. Ah, c'est à lui de me. Allez, il est super long, hein! Tiens, bravo! Merci, mon petit pote. J'ai eu peur. Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu oh, avais trop raison. Mignon. On doit rentrer à la maison. Non, tu forces. Pas sans le renfort. Amicia, cachons-nous! Alors, ils sont passés où? Conrad! C'est toi, Spam. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins, alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les canticours? C'était quoi ce bruit? Merci Twix pour ton sub d'un an, merci beaucoup. Bienvenue. Oh, je suis un débile. Là, c'est trop. Je vais voir ça. Pas de folie, hein. Je suis un débile. Sauf si. Ils sont ici. Non, ils sont pas là. T'as rien vu. Oh non, encore eux.
T'as rien vu, cours. Je sais pas. J'ai fait une erreur, je voulais pas. Y a aucune issue. Si, y a une porte là, y a une porte. S'il te plaît. Allez, ils sont derrière nous. Ça s'est refermé tout seul, c'est nouveau ça. Vite, ils savent qu'on est là. Ils savent pas. Allez. Oh non, je sais pas quoi faire, je panique. Passe par la fenêtre, je sais pas. Là, y'a une fenêtre. Passe par là. Vas-y, passe par là, vite. Oh mon dieu, gros. Ils ont coincé une planche. Tu peux l'enlever. Enlève la planche. Fais vite, Hugo, je t'en supplie. Hugo, il est là. Hugo. Hugo, la tête de... Hugo. Je t'avais dit, ouvrez. Ça a pas marché, cours. Je dois m'arrêter, Amicia. Non, tu peux pas, on peut pas s'arrêter, pas maintenant. Encore un tout petit peu. Ma fronde est lag, gros. J'étais sur sa tête, ça lui a rien fait. Il a une tête en béton, le type. Une impasse. Oh non. Mais non, c'est pas une impasse. Ah, ici, vite. Oh merci, t'es la meilleure mamie de tous les temps. Entrez. Yo, Fidiane. Je regarde. Le plus infecté du village. Ils sont où? Quand? On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Oh putain, j'ai envie de lui faire des câlins. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Oh, vous êtes trempé. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est Agueda. Mais wesh, c'est la meilleure mamie de tous les temps. C'est Yo, c'est Gunnar. Et toi? On doit aller chercher maman. Oh, comment elle a un flot de dingue. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurent. Elle a un flot de dingue. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo, on fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends. Au pire, je le laisse ici. Hein. C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh, je m'appelle Claire V. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Clairvy, qu'est-ce qui se passe ici? Elle a trop de flots maintenant. Le fléau. Benji. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Aïe. Nous cherchons un docteur. Aïe. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Je joue clavier souris. Ah ouais, Fidiane. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Elle m'a dit où? J'ai pas écouté. Ah. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. On va pouvoir lever Allez. Le plafond et tout. Ah oui! Amicia. Attends, vise un ennemi à la tête, le tue sur le champ? Oh, c'est lourd! Oh, le mec avec le crâne dur là, on va pouvoir c'est le fumer. Je pourrais l'améliorer encore. Attends, ça améliore quoi? Réduit le temps qu'Amikamea a sorti sa charge. Réduit le temps nécessaire pour attendre la précision maximale. Oh, c'est lourd. Pour contenir jusqu'à 12 matériaux de type. Ok, d'accord. Parfait. C'est archi lourd. Faut que j'aille remercier Clairvy. Attends, j'ai dû louper des trucs. Amélioration codex. Ok, donc ça c'est les petits bonus quoi. Genre c'est. Ouais. Des fichiers quoi. T'en fous leur lit là? C'est-à-dire. Alors? C'est bien mieux.
Merci, Clairvy. Putain, merci, imagine, elle lâche le truc dans la tête de la mamie die. Hop là, merci, Clairvy. Je sais que vous les avez perdus. Wow. Ouais, ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis. Ouais, je suis en début du jeu, ouais. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. T'es un idiot. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Oh dis-toi. Non, mais putain, faut le tuer. Faut le tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Hop là, pas allez. Amicia. Tu mens. Bah non. Bah voilà, alors tu vas faire quoi maintenant? Tu es à la maison. Allez. Tous les deux. Hop là. Alors tais-toi. Menteuse. Allez. Menteuse, je te déteste. Eh bah ouais, bah rejoins ta mère. Allez. Hop là. Hugo, non. C'est bon. Hugo, attends. Putain de teubé là. Oh le relou. Oh bof. Hugo, reviens. Sors la fronde et mets-lui un coup dans les jambes. Au pire, il perd une jambe, mais c'est bon. Bah ouais. Elle pouvait archi passer dans le trou, ouais, pourquoi passer dans le trou? Désolée, arrête-toi. Pourquoi pas... Bon, là, pareil, elle pourrait passer, tu vois, mais pourquoi passer dans le trou quand il y avait la porte à côté, tu vois? Mon Dieu. Oh, Seigneur. Hugo. J'aurais pas dû crier. Non, mais si, mais elle a raison, wesh. Je suis désolée. Après, je comprends, c'est un gosse. Votre compagnon se fait attaquer. Si vous ne l'aidez pas, il mourra, bah... Monstre. Laissez-le. Alors, c'est ça. Je voulais pas... Oh, c'est trop lourd. Amicia! Amicia! Hugo! Bah non, bah j'ai gagné moins 20. J'arrive! Hein. Et si l'autre il arrêtait de courir à l'autre bout aussi. Merci Tabs pour ton sub de 11 mois. Merci beaucoup, quoi. Faites qu'il soit encore en vie! Faites qu'il soit encore en vie! Mais franchement, Hugo, non. Hein. Attends, mais il a été jusqu'à là-bas! Et arrête de courir aussi, non? Arrête de crier! On attend juste. Amicia! Moi, tu ne m'enterreras pas! Je vais commencer par toi. Pourquoi non. Il a ta gueule. Oh putain, c'est de la triche. Comment je fais? Tu vas devoir faire mieux que ça. User entered your channel. Rapide, je vois. Pitié. Wesh. Je veux pas. Laissez-nous partir. Trop tard. User disconnected from your. Attends, tu veux quoi, toi? Ah, je peux pas. Ok. Ok. Pitié, je veux pas. Laissez-nous partir. Trop tard. Faut dodge. T'es rapide. Mais il suffit d'un coup. Je suis rapide comme l'éclair, vas-y, mets ton coup. Je vois. Tu as ça en toi. Hop là. Ça va m'aider. Vas-y. Hop là. Bouffon. J'ai pas peur de mourir, tu Ok. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non, vous pouvez pas faire ça. Wesh, il est dégénéré. Il est dégénéré, mais c'est trop dur. Continue. Il est fatigué. Allez, dans ton dos. Ok. C'est toi qui vas mourir, mon pote. Bouffon. J'ai une chose, hein. Je les prends tous un par un s'ils sont chauds. Amicia. Tu l'as tué. Oh là, ça va être comme dans Walking Dead. Le gosse, il va te reprocher des trucs. Ah non, ok, ouais. Viens me faire un câlin. Espèce de petit chien, ouais. Oublie pas, c'est de ta faute tout ça, là. Hein. Oh non, le forceur. Bon appétit, Célia.